Les tensions entre le prince Harry et son frère, le prince William, ne datent pas d'hier. Pourtant, le duc de Sussex, rappelle le Mirror le 28 août 2023, avait sacrifié pour le prince de Galles, un objet venant de sa mère. Les relations sont difficiles entre les princes Harry et William. Le prince Harry en voulait déjà à son frère, le prince William, depuis le collège d'Eton. Pourtant, le duc de Sussex a sacrifié un objet qui a pour lui une grande valeur sentimentale. Les conflits entre les deux princes britanniques sont de notoriété publique depuis des années. Les différends remontent bien avant le départ du prince Harry, 38 ans, et de Meghan Markle, 42 ans, aux États-Unis en 2020. En janvier de cette année, le prince Harry avait fait plusieurs interviews promotionnelles de son livre Spare, une vraie condensée révélation choc sur la famille royale. Dans l'interview accordée à ITV, le duc de Sussex a révélé comment le prince William l'a ignoré pendant son enfance alors qu'il fréquentait le collège d'Eton. Il ne voulait rien avoir à faire avec moi. Et ça faisait mal à l'époque, avait-il déclaré. Un expert et proche de la famille royale britannique, Paul Burrell, a révélé dans le cadre d'un entretien accordé à Slingo que le prince Harry est jaloux de son frère William. Paul Burrell, ancien majordome de la princesse Diana, s'est aussi exprimé dans le documentaire d'Amazon Prime The Diana Story, rapporte le Mirror du 28 août 2023. Son discours s'est cette fois-ci penché du côté de la gentillesse du prince Harry envers son grand frère. L'anecdote a eu lieu à l'époque de la mort tragique de la princesse Diana, la mère du prince Harry et du prince William. Selon Paul Burrell, le roi Charles avait autorisé à William et Harry de choisir un bijou spécial de la collection de leur mère. Une précieuse bague pour le prince Harry sur le doigt de Kate Middleton. Le prince William avait alors choisi la montre Cartier offerte à la princesse Diana par son grand-père Spencer. Pour le prince Harry, il avait opté pour la bague de fiançailles emblématique de Lady Diana, une bague en saphir de 18 carats. Le prince William avait rappelé, selon Burrell, que son petit frère avait dit « Je me souviens quand je tenais la main de maman quand j'étais petit et cette bague m'a toujours fait mal parce qu'elle était si grosse. » Cette bague si chère au prince Harry est maintenant sur le doigt de Kate Middleton, la princesse de Galles. Pour les fiançailles du prince William et Kate Middleton, le duc de Sussex a renoncé à son précieux trésor. Paul Burrell raconte, « Ne serait-ce pas bien quelle est la bague de maman ?» aurait suggéré l'époux de Meghan Markle au prince William.